Trouble au cœur, c'est de ses ambitions de hisser haut le sport. Créé à Tambacounda il y a 6 ans par Seydou Cissokho, ancien footballeur professionnel tambacoundois en Tunisie, l'école de foot FC Plateau s'est fixée comme objectif principal d'utiliser le football comme un vecteur à la fois de réussite professionnelle et d'intégration sociale pour des jeunes enfants et adolescents de la région de Tambacounda. Franchement, je me dis que 2013 en Tunisie, je me suis ici. C'est mon objectif, c'était quoi? Comme j'ai été un peu professionnel dans le monde du football, donc je me suis dit que mon sommeil est réalisé au moins. Pourquoi pas ne pas aider ces jeunes qui sont là et leur aider, leur apprendre ce que j'ai appris, ce que je n'ai pas pu avoir dans ma vie sportive, les pousser jusqu'à une chance. N'ayant pas pu réaliser son souhait de faire carrière dans le football, l'entraîneur s'est donné comme sacerdoce de permettre aux jeunes passionnés de football de vivre pleinement leurs rêves. Établie au quartier Plateau de Tambacounda, l'école qui fonctionne avec de maigres moyens accueille plus d'une cinquantaine de pensionnaires venus des 4 coins de la ville. Papa, parce que demain on va participer, ça me dit que le Sénégal, ça me dit que là. Qu'est-ce que je peux apporter pour le Sénégal? Donc, c'est la seule chose que j'ai pour apporter au Sénégal et aux Sénégalais, c'est dans le domaine sportif. Donc, c'est mon domaine sportif, moi, là. Aider ces jeunes-là, que ce soit bi, voilà ni du Gilgal, voilà ni du Guéni, du Demfene, je me suis dit pourquoi pas ne pas participer au développement de cette sport, de cette jeunesse. Donc, et d'après le témoignage, vous le faites de manière bénévole pratiquement parce qu'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire. Donc vous faites comment? Bien sûr. Puis, dans la vie, il y a un objectif. Moi, je n'ai pas des rêves, j'ai des objectifs. Donc je me suis dit que j'ai pas eu pas mal de gens à maintenir. Ils m'ont proposé pour que madame Ligue ait un salaire. Bon, je m'en tout du salaire, ça, mais au moins, je n'ai pas de Ligue parce que je suis tardé. Moi, je me suis dit que mon football vie dans ma vie, ma tarde, qui sport vie, ma déchi, qui n'y a, mon réussir après, mon gagner, mon nek qui dem si ben un domaine, bon à maintenir, de me dire un salaire pour bâtir cette jeunesse, ni ta mamba le détachant à l'ouvrir. Faisant ce travail grandiose et de manière désintéressée, coach Cissokho mérite l'aide et l'assistance de toute la communauté tambacoundoise pour la concrétisation de ses rêves, mais aussi ceux de ses poulains. Le tout avec la conviction de transmettre le goût de l'effort, l'envie de se dépasser grâce à un encadrement compétent qui s'adapte au niveau et aux attentes de chacun. Jour là bu mu ñëw ba légui fi la nek di cadre boy di len di sonu ci ñom trop mais mu xam nga rek moy lu ñuy wax rek ñak manque de moyens ak bon Tamba xam nga dafa xaw sori Dakar yu mel nonu dal moko ci mo ci japp ka ñun mom li mom dañ ko yagg xaar ci mom quoi parce que yene nañ ko lu ne quoi parce que son na ci boy lu ne la ci daj bu deug becc mu ngi ci boy muy xalé ndaw yi muy mag yépp. On le fait pas pour le plateau, mais on le fait pour tout Tambacounda. Nous sommes à la fédération, nous sommes au football championnat. Secondo, nous n'avons pas de... Qu'est-ce que les maigres moyens qu'on travaille à côté, les maigres moyens qu'on est en train de travailler, on appelle toute la population Tambacounda, toutes les autorités qui sont là. On est là pour Tambacounda, on n'est pas là pour nous. Tout ce qu'ils peuvent faire pour nous aider, que ce soit les biens matérialistiques, que ce soit les biens financiers ou bien bon, comment dire, nous on ne peut pas apporter pour pousser cette jeunesse à atteindre leur objectif, être professionnel. Qui sait? Sadio Mané est passé de ce côté. Donc il y a tous les grands joueurs qui sont aujourd'hui là dans le haut niveau, mais ils sont passés de ce côté. Mais on a cette rêve, on a cette passion, on a cet objectif. Maintenant, on a besoin des soutiens de cette autorité, des bonnes volontés, comment dire. Vraiment, il peut nous aider pour nous pousser cette jeunesse, nous atteindre le niveau professionnalisme. Par ailleurs, se passionner du ballon rond inculque à ses pensionnaires les valeurs humaines universelles à travers le sport, le dépassement de soi, la solidarité, l'éthique et la tolérance. Ousmane, attends, approchez-vous. Thank you.